Hey, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, ça. T'es sur un réseau social, tu laisses un commentaire et il y a un mec qui réagit et qui va pas dans ton sens. Donc toi, bah, y a pas de raison que tu fermes ta gueule. Donc toi, tu lui réponds en disant, bah attends, t'es qui, toi? Tu sais mieux que les autres. Lui, super vexé, il te répond en disant, mais attends, oui, moi je sais, toi t'es un nul, les gens comme toi, je les connais. Toi, du coup, t'es super vexé. Donc tu lui réponds, tu fais, non, mais attends, dis donc, tu te prends pour qui, toi? T'es nul et tu fais des fautes d'orthographe. Lui, il te répond, il dit, oui, mais toi, je suis allé voir ta page, c'est une page de merde. Et puis ça descend. Comme ça, et puis c'est parti, tu laisses des messages, et il te laisse des messages, et puis t'attends pour voir si t'as répondu, puis oui, t'as répondu, donc tu lui réponds. Et puis au bout d'un moment, tu te dis. Mais au fait, à la base, pourquoi on s'engueule? Et là, donc, tu remontes le fil de commentaires pour savoir d'où vient l'embrouille, parce que t'as complètement oublié, quoi. Et tu montes, et tu montes, et tu montes, et tu montes, et tu montes. Et là, tu t'aperçois en fait qu'il répondait pas à toi. C'est chiant. Hein. Ça arrive souvent. Hein? Et attends, le pire, c'est que quand t'es remonté à l'origine de la dispute et tu t'aperçois que le mec ne s'adressait pas à toi, c'est qu'en plus le mec est totalement d'accord avec toi du départ.